Prego, prego. Comodi, comodi. Autorità, cari. Mesdames, Messieurs les autorités, chers collègues, Mesdames, Messieurs, au nom de la présidente de la Chambre des députés, en mon nom personnel, je voudrais vous renouveler nos souhaits de bienvenue ici au Sénat de la République à l'occasion de la deuxième session de la conférence extraordinaire des présidents du Parlement de l'Union européenne à l'occasion du 60e anniversaire de la signature des traités instituant la communauté européenne. Je suis reconnaissant aux rapporteurs qui ont accepté d'intervenir pour partager leurs expériences et leur vision de l'Union. J'adresse des salutations affectueuses aux jeunes qui suivent cet événement depuis les tribunes. Je suis certain d'interpréter les sentiments de tous en disant que notre responsabilité la plus grande, c'est de leur livrer, à eux qui se sentent depuis toujours profondément européens, une union plus juste, plus cohérente et plus sûre. Les conversations d'hier soir et le débat de ce matin ont confirmé que la célébration parlementaire de ce moment-là n'est pas un exercice de style. Ce n'est pas du tout le protocole qui nous y oblige. C'est une occasion que nous ne pouvons pas laisser passer. Rappeler ce que nous étions, cela signifie respecter la souffrance et le sacrifice de ceux à qui nous devons notre liberté. Cela signifie également concevoir ensemble un avenir commun. Comme cela est normal, nos opinions peuvent être divergentes, mais je crois que nous avons quand même une conscience commune du fait que nous ne pouvons pas rester là où nous sommes. Nous devons aller de l'avant et nous devons y aller ensemble. Je crois que c'est le sens le plus profond de notre devoir, qui est celui de représenter au sein de nos parlements les sentiments, les ambitions et les droits des citoyens. Revenant par la mémoire à ces jours de 1957, il me semble important de rappeler que les vrais acteurs de ce moment historique ne furent pas tant les gouvernements que les peuples européens qui demandaient à cor et à cri le pain, la liberté et la dignité. Le deuxième conflit mondial avait dévoilé les instincts les plus bas, livrant à l'histoire des persécutions et des violences inimaginables, la peur, la faim, le désespoir, le désarroi, l'incrédulité, la terreur dominaient les âmes d'alors. Et dans ce contexte naquit en 1950 la communauté pour le charbon et l'acier, avec une forte empreinte économique, mais c'était en même temps une initiative à caractère partagé du point de vue de la souveraineté, car le véritable objectif des hommes et des femmes visionnaires et courageux qui se firent les interprètes des sentiments diffus à l'époque, leur vrai objectif était un objectif politique. Nous ne sommes pas en train de former des coalitions d'États. Nous unissons les hommes, parole de Jean Monnet. Vers la moitié des années 50, l'on poursuivit l'ambition fédérale d'une communauté en faveur de la défense. On craignait un nouveau conflit, cette fois définitif, et Alcide De Gasperi, comme l'a rappelé ce matin sa fille, Maria Romana, se fit l'interprète du sentiment que c'était là une occasion qu'il fallait saisir, car elle ne se représenterait plus. Or, ce projet échut, pardon. Tout semblait perdu. Le chemin d'intégration est reparti vers 1955 à partir de la Sicile, ma région d'appartenance, par la conférence de Messine, où l'on affirma, contre toute prévision, la position qu'il fallait poursuivre une intégration horizontale et générale des économies européennes au lieu d'une intégration sectorielle plus limitée. L'objectif était de faire en sorte que l'Europe maintienne la place qu'elle occupait dans le monde et
qu'on puisse lui restituer son influence et augmenter de manière continue le niveau de vie de sa population. Ainsi, l'on aurait réussi à affirmer progressivement un système supranational, socialement plus équilibré, politiquement plus stable et culturellement plus avancé. L'Union européenne a maintenu ses promesses de paix, a maintenu les droits, le bien-être, au-delà de toute prévision raisonnable, surmontant, même dépassant la créativité de ceux qui étaient taxés d'utopie. Et là, je me permets une note personnelle. Je suis née à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens quels étaient les espoirs qui avaient été allumés il y a 60 ans dans les yeux de mes parents, donc de nos parents, qui rêvaient pour nous d'un avenir sans haine, sans violence et sans privation. Nous savons que lors d'années récentes, l'Union a été confrontée à des enjeux historiques importants, la crise économique et du travail, les inégalités, les migrations, la grande instabilité géopolitique à nos frontières, la peur du terrorisme. Nous avons réagi, mais pas toujours dans la solidarité et la rationalité. Et certains de nos concitoyens ont développé des sentiments de désaffection et même d'hostilité par rapport au projet européen, qui ont été instrumentalisés par une partie de la politique de façon extrêmement dangereuse. Réagir en se fermant sur soi, en élevant des murs physiques, idéologiques et moraux, constitue la négation de notre histoire. Et cela n'est pas une démarche payante. Personne ne se sentira à l'abri et personne ne peut agir seul. Le multilatéralisme, la solidarité, la diplomatie, le pluralisme, voilà les fondements de la méthode qui nous a menés jusqu'ici, la seule méthode qui nous permettra d'avancer. L'Europe a une responsabilité qui dépasse ses frontières. Tous ensemble, nous avons marqué l'histoire universelle par des paramètres de civilisation nouveaux et inimaginables jusqu'alors. Cela est vrai dans les relations politiques, dans la stabilité sociale, dans la promotion des droits et de l'état de droit. Mais la modernité nous place devant de nouveaux défis et nous impose de trouver des réponses de plus en plus sophistiquées. Il appartiendra au gouvernement, à partir de la réunion de Rome le 25 mars, de trouver des modalités de travail ainsi que des perspectives adéquates pour faire face aux nouveaux besoins. Il faut investir dans l'emploi, dans la croissance et l'innovation, progresser dans l'union bancaire et monétaire, renforcer la lutte commune contre la délinquance, la criminalité organisée, le terrorisme, la corruption et les crimes économiques, en instituant finalement aussi une procure européenne. Et gérer de façon solidaire et clairvoyante le problème des migrations et des réfugiés. J'ai pleine confiance dans la sagesse du président Gentiloni et de ses collègues européens. Je suis certain qu'ils sauront comprendre la gravité du moment que nous visons et que nous vivons, et qu'ils fixeront un nouveau point pour le début de l'histoire de notre Union. Programmer l'avenir de l'Europe demande quatre axes d'intervention, à mon avis. En premier lieu, reconstruire un climat de sérénité et de confiance entre les gouvernements pour rapprocher les citoyens des institutions européennes et des valeurs communes et pour combattre la résurgence de nationalisme et d'égoïsme qui sont les antichambres du totalitarisme. En second lieu, nous devons agir contre les inégalités que l'on remarque dans les pays les plus solides et qui condamnent à la marginalité, à l'exclusion. Trop de citoyens européens se trouvent de plus en plus vulnérables aux crimes et au fondamentalisme. En troisième lieu, nous devons réagir. Réagir au déclin démographique rapide de notre continent, en intégrant vertueusement les immigrés avec qui nous partageons tant de richesses économiques et culturelles. Enfin, nous devons repenser nos stratégies dans le nouveau contexte mondial à travers une véritable politique extérieure commune pour revenir à la position mondiale qui nous revient de par l'histoire, de par nos valeurs et de par nos économies. Le risque, c'est la marginalisation géopolitique de l'Europe.
Il faut avant tout une nouvelle politique pour la Méditerranée et le Moyen-Orient, où notre absence coupable au cours de ces années dramatiques a contribué au phénomène auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Sur cette voie, nous devons procéder tous ensemble, avec cohésion et solidarité, sans laisser jamais personne en arrière et sans frustrer les ambitions, et l'engagement de ceux qui veulent renforcer la coopération dans certains domaines plus rapidement que dans d'autres, parce que c'est aux ambitions d'une poignée d'utopistes d'il y a 60 ans que nous devons aujourd'hui le privilège de nous retrouver ici tous ensemble aujourd'hui dans la paix et au nom de la liberté, de la démocratie et de la dignité humaine. L'Italie a été et restera toujours un pays d'avant-garde dans l'édification de la maison commune parce que nous nous identifions profondément aux idéaux communs et nous sommes orgueilleux de notre histoire millénaire de rencontres et de civilisations et de cœurs géographiques, politiques et culturels ici, dans le bassin méditerranéen et en Europe. Vive l'Union et vive l'Europe. Je donne maintenant la parole au président du Parlement européen, Antonio Tajani. Monsieur le président du Sénat, monsieur le président du Conseil, monsieur le président du Conseil de l'Union européenne, monsieur le vice-président, Monsieur le Président Napolitano, Monsieur Monti, Mesdames et Messieurs les Présidents des Parlements de l'Union européenne, nous affrontons l'un des moments les plus difficiles de nos 60 ans d'histoire. Beaucoup de nos citoyens se sentent perdus. C'est également lié à un sentiment d'incertitude dans l'Union européenne et à l'extérieur. La distance avec les institutions s'accroît, même si les élections récentes aux Pays-Bas ont démontré que l'envie d'Europe subsiste. Pour la première fois, nous sommes sur le point de négocier la sortie d'un important pays membre. Le chômage des jeunes dans beaucoup de régions reste à des niveaux inacceptables. Notre sécurité est menacée par le terrorisme et l'instabilité à nos frontières. Nous sommes préoccupés par l'augmentation des flux migratoires. Et certains de nos voisins semblent s'acheminer de plus en plus vers des nationalismes et un certain nombre de gouvernements sont tentés par le protectionnisme. L'incapacité à apporter des réponses adéquates à ces peurs alimente les populismes, le repli sur des solutions nationales, le chacun pour soi. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons au contraire démontrer que ces défis, nous ne pouvons les relever avec succès que si nous sommes unis. Mais il faut une Europe des faits. Il faut réduire le chômage, il faut réduire les flux migratoires, promouvoir la stabilité et des valeurs dans le monde. Nous diviser maintenant, continuer à rejeter sur d'autres institutions ou d'autres personnes les fautes et les erreurs ne nous mènera nulle part. Il faut maintenant faire preuve de courage et de responsabilité pour travailler ensemble à des solutions communes dans l'intérêt des peuples européens. Pour cela, la collaboration entre le Parlement européen et les parlements nationaux est de plus en plus importante. Nous avons tous été élus directement par les peuples européens et nous devons pour cela être en première ligne pour combler la distance entre les institutions et les citoyens. Le traité de Lisbonne a défini pour la première fois le rôle des parlements nationaux au sein de l'Union européenne. Ils peuvent, par exemple, évaluer le respect du principe de subsidiarité, participer à la révision des traités de l'Union, s'exprimer sur les politiques de l'Union en matière de liberté et de justice. Le traité indique également que le Parlement européen et les parlements nationaux sont appelés à une coopération constante interparlementaire.
La présidente du Parlement européen souhaite travailler pour que cette coopération soit encore plus efficace et devienne un instrument concret pour contribuer à trouver ensemble des solutions aux problèmes des citoyens. Pour réduire le chômage, surtout le chômage des jeunes, nous devons œuvrer pour une Europe plus concurrentielle et attentive à l'économie réelle. À côté du pacte de stabilité et de croissance, nous avons besoin d'un pacte entre les générations. Nous ne pouvons pas laisser aux jeunes des dettes ingérables et des économies inefficaces qui rendent difficile la création d'emplois. Nous devons garantir également aux jeunes les avantages de notre modèle d'économie sociale de marché. La flexibilité budgétaire doit être liée à la qualité des dépenses et à des mesures pour l'efficacité et pour une meilleure efficacité administrative également. C'est la voie d'une véritable convergence de nos économies, indispensable pour que l'Europe apporte des avantages à tous les citoyens européens. Les parlements doivent contribuer à renforcer le gouvernement européen de l'économie conformément à ce qui est indiqué dans les trois rapports sur le futur de l'Union adoptés récemment par le Parlement européen. Il est donc nécessaire de plus impliquer les parlements nationaux. Cela rendra le processus de réforme indispensable pour résoudre le problème de l'emploi plus efficace. Il faut mieux et plus responsabiliser les États. Les parlements doivent être des acteurs pendant leur semestre de présidence européenne et dans la formulation des recommandations économiques des différents pays, ils doivent également être présents. Les citoyens et les entreprises nous demandent des règles et des procédures plus simples, moins de bureaucratie. Les parlements ont un rôle clé pour améliorer la qualité de la législation, en particulier de la transposition des normes européennes. Nous ne devons pas nous perdre dans les détails. Le principe de subsidiarité doit nous amener à nous concentrer sur les grands défis mondiaux. Politique étrangère, défense, sécurité, immigration, commerce, lutte contre les changements climatiques, sauvegarde des droits fondamentaux. Aucun État européen seul n'a la force pour négocier avec les États-Unis, la Chine ou la Russie. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons véritablement exercer notre souveraineté. La conférence interparlementaire sur la politique étrangère et de sécurité commune doit contribuer à renforcer l'action de l'Europe dans le monde, pas seulement pour garantir nos intérêts économiques ou notre sécurité, mais également pour affirmer les valeurs fondamentales dans lesquelles nous, Européens, nous reconnaissons. Pour cela, nous devons développer un marché et un espace européen de la défense. Il faut des synergies, des économies d'échelle, des moyens militaires qui puissent finalement fonctionner de manière coordonnée pour être plus efficaces et économiser des ressources. C'est cela la base pour créer une véritable défense commune. Et j'espère que cela pourra être mis en œuvre dès la prochaine conférence de Rome. Il y a 63 ans, la communauté européenne de défense échouait. C'est un rêve jamais réalisé, qui était le rêve de Alcide De Gasperi, avec Gaetano Martino et d'autres pères italiens de notre Union. Pour protéger nos citoyens du terrorisme et de la criminalité, pour lutter contre l'évasion fiscale, il est indispensable qu'il y ait plus de confiance réciproque. Nos parlements doivent travailler pour promouvoir une plus grande coopération entre les services de renseignement, les magistrats, les polices, la police financière et favoriser l'échange de données et d'informations. Ensemble, nous pouvons contribuer au développement de garde-côtes européens dotés de plus de ressources. L'Europe, avec solidarité, doit continuer à garantir le droit d'asile. Le Parlement européen travaille à la réforme du règlement de Dublin pour le rendre plus efficace. Mais il faut une réforme sérieuse, pas seulement
une petite retouche de tel ou tel point qui apparaît inefficace ou obsolète. Mais nous devons également être fermes et rejeter ceux qui n'ont pas le droit de s'établir dans l'Union européenne. La gestion des flux migratoires doit être abordée à la racine. Nous sommes face à un phénomène sans précédent qui est lié à la croissance démographique, au changement climatique, au terrorisme, aux guerres et à la pauvreté. Pour cela, il est nécessaire de se doter d'une stratégie commune qui mise sur le développement de l'Afrique. Faciliter et accélérer le développement, créer des centres d'accueil en Afrique avec les organisations des Nations Unies, diminuer la pression migratoire, cela nécessite une diplomatie forte, économique et parlementaire. Déjà aujourd'hui, l'Union européenne et ses États membres dépensent 20 milliards d'euros par an pour l'Afrique. À mon avis, les parlements doivent œuvrer pour promouvoir une utilisation plus efficace de ces ressources. Le Parlement européen approuvera bientôt un nouveau fonds d'aide pour l'Afrique et débat sur les politiques de coopération et d'aide de l'Union européenne. Pour attirer plus d'investissements privés, réaliser des infrastructures et des transferts de savoir-faire en matière de transport et de capacité administrative notamment, nous devons moderniser nos instruments d'aide. À quelques jours de l'anniversaire de la signature des traités, il est juste de réfléchir également à nos erreurs, à ce qui doit être amélioré. Mais nous ne pouvons pas et ne devons pas nous décourager. Nous devons rester fiers de ce que nous avons construit tous ensemble. Nous sommes le seul continent au monde où n'existe pas la peine de mort. Le monde se tourne vers nous lorsque un journaliste est emprisonné, lorsqu'une femme subit des violences et voit ses droits niés, lorsqu'un opposant politique est menacé et privé de sa liberté. Nous restons un phare pour les droits fondamentaux et nous sommes bien plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'un marché ou qu'une monnaie. Nous tous, représentants des peuples européens, avons aujourd'hui une grande responsabilité. Exercer une forte volonté politique, un leadership sur les valeurs qui sont à la base de notre coexistence. Notre identité, c'est nos valeurs et nos cultures. La liberté et la défense de la liberté, des droits de l'homme, le respect des autres, la défense du droit des femmes. C'est essentiel et ce n'est pas par hasard que j'ai sanctionné un parlementaire qui a osé dire en plénière à Strasbourg que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Le Parlement européen a ouvert un débat sur notre avenir avec l'adoption des rapports Verhofstadt, Bresso-Brock et Beresberg lors de la dernière plénière à Strasbourg. Il y a deux semaines, la Commission a présenté son livre blanc et lors du dernier Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement ont eu un large débat et j'en profite pour féliciter Donald Tusk pour sa réélection au poste de président du Conseil européen. J'ai particulièrement apprécié la contribution importante soutenue par la présidente de la Chambre, Laura Boldrini, avec la consultation en 2016 sur les perspectives et le bilan de l'Union européenne. Cela a donné la rédaction d'un rapport final qui a été présenté en février de cette année, qui se fonde sur la déclaration du 14 septembre 2015, signée par les présidents des Parlement de 14 pays membres pour donner une nouvelle impulsion à l'Union européenne. J'ai apprécié la décision du président Grasso de consacrer
deux expositions importantes sur notre héritage culturel et de présenter cela justement à l'occasion de cette cérémonie pour montrer justement que nos racines puisent dans une histoire de plusieurs millénaires, que notre identité européenne n'est pas née par hasard, n'est pas un simple agrégat d'États membres. Hier soir, le vice-président Timmermans disait ceci, s'il n'y avait pas eu le Caravage, il n'y aurait pas eu Rembrandt. Et vous le voyez, c'est cela, notre civilisation. Parce que pour admirer le Caravage, il n'est pas nécessaire de connaître l'italien. Pour admirer Rembrandt, il n'est pas nécessaire de connaître la langue ou la culture néerlandaise. Il suffit de comprendre, de saisir le message qui émane de leurs œuvres. À Rome, le 25 mars, est prévue la signature d'une déclaration solennelle également de la part des dirigeants de l'Union européenne. Plus qu'aujourd'hui, nous avons besoin de l'Union européenne. Bien sûr, l'Union doit changer, mais elle ne doit pas être détruite. Elle ne doit pas être affaiblie. Nous, citoyens européens, payerions un prix incalculable si elle était affaiblie. L'Europe réussit quand elle sait incarner un rêve de prospérité et de justice. C'est à nous, représentants des citoyens européens, de changer l'image d'une Union qui serait trop abstraite, peu efficace et bureaucratique. C'est à nous de faire en sorte que les Européens se passionnent de nouveau pour un grand projet. C'est à nous, parlementaires nationaux et européens, d'offrir un nouveau rêve à un demi-milliard de personnes. Les jeunes, surtout, nous le demandent. Ils ont envie de croire, de rêver. Ils ont envie d'espérer. Et malheur à une classe politique qui enlèverait aux jeunes le rêve, l'espérance, l'envie d'aller de l'avant et de regarder vers l'avenir. Voilà, chers amis, chers présidents, le défi que nous sommes appelés à relever. Et je pense qu'aucun de nous ne se dérobera à cette responsabilité. Nous devons le faire pour nos enfants, parce que c'est à eux que nous devons continuer à offrir un grand rêve, une espérance pour l'avenir. Merci. Je donne la parole à Donald Tusk, président du Conseil européen. Président Grasso, mesdames, messieurs les invités, mesdames, messieurs, impossible d'être un invité ici, au Sénat de la République italienne, sans ressentir toute l'histoire qui transpire à travers les murs du Palazzo Madama. Nous nous souvenons ici non seulement du drame politique que nous vivons chacun chaque jour, mais également de siècles, de grands événements qui marquèrent la naissance de l'Europe. Par exemple, l'ouvrage de Cesare Maccari et Cicéron dénonçant Catiline, qui décore les murs du Sénat, est un symbole parfait pour la cérémonie d'aujourd'hui, une allégorie politique de la lutte des institutions démocratiques contre le populisme et le triomphe de l'un sur l'autre. Et cela nous rappelle tout d'abord que la force de toute communauté politique dépend de sa volonté de survivre, de sa vigueur et de son intelligence. Et deuxièmement, que dans la lutte politique darwinienne, les mots ont toujours été et seront toujours les armes les plus puissantes. Cicéron a dit « La liberté, c'est la participation au pouvoir ». Même les Grecs et les Romains antiques
se poser la question de savoir ce que c'est vraiment que d'être libre. Il y a 60 ans, les hommes d'État de 6 pays ont décidé que la seule vraie liberté était la liberté d'agir ensemble. En d'autres termes, la souveraineté, c'était avoir sa place autour de la table. Et c'est bien pourquoi, en 1957, le traité de Rome fut signé. Il se trouve que moi-même, je suis née la même année et que la réalité construite autour du traité de Rome représente ma vie tout entière. Et je ne dois pas vous dire, je crois, combien il est important pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Bien sûr, tout paraît plus noble, délibéré et calculé lorsqu'on voit les choses depuis notre perspective d'aujourd'hui. Il y a une tendance à rappeler ceux qui ont signé le traité de Rome, à les qualifier d'évangélistes de l'Union européenne et de génies politiques. La vérité, c'est que c'était des dirigeants qui avaient leurs propres doutes personnels, qui étaient soumis à une pression incroyable de la part des événements et qui étaient également l'objet de vulnérabilités profondes. La faiblesse collective de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale les a forcés à s'unir, car les autres possibilités qui s'offraient à eux, n'étaient pas très attrayantes et les horreurs de la guerre, sa destruction, étaient encore là, ils les voyaient tous les jours. La vulnérabilité de ces pays européens effrayés leur a donné humilité, clarté et sagesse. Aussi ont-ils décidé de se réunir pour signer le traité de Rome. Ça a été le début d'un processus qui, depuis, a rallié de nombreux autres pays vers la liberté, la prospérité, à l'Est et à l'Ouest. Ce processus nous a aidés à comprendre que lorsque l'Europe est faible, ces pays individuels seront faibles. Si l'Europe est forte, ses États membres seront forts. Ce n'est qu'en étant unis que nous pouvons réaliser notre propre souveraineté, être véritablement libres face au monde. C'était vrai alors, c'est encore vrai aujourd'hui. Et ce sera vrai dans 60 ans. Le traité de Rome a triomphé également parce qu'il a été créé, il a été exécuté par des gouvernements sur la base d'un consentement démocratique. Les parlements nationaux, dont vous êtes les représentants, ont donc prêté leur pouvoir aux institutions, à la communauté européenne avec un message. S'il vous plaît, agissez dans notre intérêt commun. Ça a été un gage qui a été repayé depuis avec intérêt, même s'il y a eu des déceptions et des retards. Quelqu'un a dit une fois, l'Europe c'est comme un arbre. Il pousse tous les jours, mais on ne s'en aperçoit pas vraiment. C'est un sentiment assez romantique, mais qui demeure assez vrai aussi. De la semence du traité de Rome ont fructifié des changements qui ont changé le monde tellement que les gens ne se souviennent plus de ce qu'était le monde avant l'Europe. Le traité nous a donné des esprits ouverts, des sociétés ouvertes. Et bien sûr, le plus vaste marché du monde pour notre prospérité. En tant que jeune homme grandissant à l'ombre du rideau de fer, ces choses me paraissaient pratiquement impossibles à l'époque. Cependant, je rêvais qu'un jour, elles puissent se produire. L'anniversaire de la semaine prochaine est un temps de réflexion et de célébration en même temps. Nous pouvons voir que nos blessures économiques guérissent lentement, qu'il y a encore de nombreuses personnes qui désespèrent de l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Le départ de la Grande-Bretagne et l'arrivée d'autres États membres. En ce temps de crise, la meilleure solution, c'est de capturer l'humilité, la clarté, la sagesse des fondateurs. Et ce n'est qu'ainsi que l'on opérera des choix judicieux pour notre avenir. Car le passé nous montre que l'Europe est la plus créative, la plus efficace, lorsqu'elle est également la plus vulnérable.
Cela peut paraître un paradoxe, mais c'est ainsi. Elle a des ambitions modestes et patientes qui lui font réaliser de grandes choses, plus peut-être que les grandes visions. C'est la raison pour laquelle je suis heureuse que la présidente de la Fondation De Gasperi, Maria Romana De Gasperi, ait été avec nous aujourd'hui. Je crois que le temps est venu de rappeler les paroles célèbres de son père. L'avenir ne sera pas construit à travers la force, ni à travers le désir de conquête, mais par l'application patiente de la méthode démocratique, l'esprit constructif de l'entente et de l'accord, ainsi que le respect de la liberté. Ces mots ne sont peut-être pas très dramatiques à l'âge de la politique par Twitter, mais j'en apprécie encore la vérité et la puissance. Je pense que ces mots sont suffisants pour nous guider dorénavant. Merci. Grazie. Merci. Alla parola il vicepresidente. Je donne la parole au vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans. Merci, Presidente. Merci, Président. Chers amis européens, aujourd'hui, je vais m'exprimer dans ce qui est devenu la lingua franca de la génération de nos enfants, le mauvais anglais. Je voudrais partager avec vous quelques étapes de mon histoire personnelle, parce que nous avons tous des histoires personnelles différentes. Je vois tous ces drapeaux dans la salle et cela me rappelle mon histoire. Mon père et sa famille ont été libérés en 1944 par des soldats polonais. Et si ces soldats polonais n'avaient pas donné leur vie pour la liberté de mon pays, mon père ne serait peut-être jamais né et je ne serais pas là aujourd'hui. Moi-même, des années plus tard, j'ai grandi dans une Europe où régnait le fléau du terrorisme dans de nombreux pays. J'ai vécu dans cette ville pendant les années de plomb, comme on les appelait. Je me souviens de la violence, de cette violence que nous craignons. Et le jour de la Saint-Patrick, je ne peux pas m'empêcher de faire référence à la violence qu'a connue l'Irlande jusqu'au miracle de l'accord du Vendredi Saint. Et je pense que aujourd'hui, nous, Européens, avons un devoir moral et politique de faire en sorte que l'accord du Vendredi Saint ne soit pas mis en danger par le Brexit. Et je souhaite que nous prenions tous cet engagement envers nos amis européens irlandais. As a young man, je pense aussi que, bon, en tant que lorsque j'étais jeune, j'ai étudié en France et je me souviens en 85 une discussion sur la géopolitique. L'un des soldats, un soldat français dans la salle, a dit : qu'allons-nous faire si l'Allemagne effectue sa réunification ? C'est en 85. Et quelqu'un a dit : mais retourne à l'école, idiot ! Tu n'as rien appris. C'est stupide, il n'y aura jamais de réunification allemande. Il y aura toujours deux Allemagnes et nous en sommes très heureux. Et ça, c'était 4 ans avant la chute du mur de Berlin. Voilà à quel point l'histoire est prévisible. Et quand je pense à mon histoire personnelle, j'ai suivi une formation de soldat après mes études. J'ai été formé comme soldat pour combattre certains des ressortissants de pays qui sont aujourd'hui assis dans cette salle. Est-ce que ce n'est pas un miracle qu'en aussi peu de temps les choses aient changé? Sans un aucun doute, l'événement plus important pour moi de mon vivant, ça a été la fin de la division de l'Europe. La fin de la division de l'Europe, comme tout changement tectonique dans l'histoire humaine, a créé de grandes réussites, mais également des problèmes. Je le vois très bien dans le pays que je connais le mieux et dans d'autres sociétés. On voit une renaissance de la nostalgie. On pense au bon vieux temps où nous avions encore ce mur qui nous séparait.
Mais il suffit de voir pendant 5 minutes ce qu'il se passe en Pologne. 5 minutes, il n'en faut pas plus. Au cours de l'histoire, la Pologne n'a jamais été maître de son histoire. Lorsque la Russie était forte, les frontières se déplaçaient vers l'ouest. Lorsque l'Allemagne était plus forte, c'était l'inverse. Et maintenant, la Pologne est intégrée dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Et pour la première fois, la Pologne est maître de son destin et de ses frontières qui ne sont plus contestées. Voilà ce dont il s'agit en Europe. Alors, si je pense à ce qui s'est passé pendant ma vie, je pense que très souvent nous ne connaissons pas bien notre histoire. Cela signifie que nous risquons d'être victimes de chantage de la part de la nostalgie, en quelque sorte. Nous risquons d'être influencés par des gens qui nous montrent des images d'un passé qui n'a jamais existé pour nous faire rêver à un futur qui n'existera pas. Nous devons étudier l'histoire telle qu'elle est pour être immunisés face à un excès de nostalgie. La nostalgie, c'est comme le vin. Un verre ou deux, ça va, mais il ne faut jamais boire toute la bouteille. Et nous devons faire en sorte que la nostalgie ne devienne pas le nouvel opium du peuple en Europe. Certains du malaise dans l'Union européenne est lié au fait que même si nous avons différentes histoires, nous sommes maintenant certains d'avoir un destin commun. Nous sommes tous dans le même bateau et parfois ça tangue un peu. Ce n'est pas confortable. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur la direction que doit prendre ce bateau européen. C'est pour cela que Jean-Claude Juncker et moi-même avons décidé de rédiger ce livre blanc sur l'avenir de l'Europe avec plusieurs scénarios et possibilités. Et nous avons voulu proposer cela comme base de discussion pour que vous puissiez y réfléchir dans vos parlements et avoir un débat avec vos parlements, avec l'opinion publique dans vos pays sur le destin de l'Europe, sur la direction à prendre, sur l'organisation souhaitable pour l'Europe, pour relever au mieux les défis que nous pose le monde. Il y a deux types d'États membres aujourd'hui en Europe, des petits États membres et des États membres qu'ils ne savent pas encore qu'ils sont de petits États membres, parce que le monde hors de l'Europe est bien plus grand que l'Europe. Si nous sommes unis, nous serons forts. Mais avant d'obtenir cette unité, nous avons besoin d'un débat sur l'objectif de cette unité. Les jeunes générations aujourd'hui sont européennes par essence. Ça ne signifie pas qu'elles apprécient les institutions européennes ou veulent venir à Bruxelles. Mais cela signifie que leur habitat naturel, en quelque sorte, est l'Europe. Leur maison, c'est leur nation, mais leur habitat, c'est l'Europe. Les jeunes sont post-idéologiques, mais ils sont très idéalistes. Alors, donnons-leur des raisons de rêver dans un avenir proche. Et pour terminer, je voudrais dire ceci. Si nous avons commis une grande erreur au cours des 15 dernières années, c'est celle de créer l'illusion qu'un marché commun était une fin en soi, qu'une monnaie commune était un objectif en soi, que ne plus avoir de frontières était une fin en soi. Non, chers amis, ce ne sont que de simples instruments. Ce ne sont que de simples instruments pour souligner et renforcer nos valeurs. Nos valeurs qui sont la paix et la prospérité, la compréhension mutuelle. Il faut accepter le fait que le dialogue est positif, que compromis n'est pas un gros mot. Le dialogue, c'est une discussion avec les personnes avec lesquelles vous n'êtes pas encore d'accord pour trouver un terrain commun. Et c'est de cela qu'il s'agissait à Ventotene. C'est cela que voulaient les pères fondateurs. Une politique des petits pas pour trouver un terrain commun entre des pays et des nations ayant des intérêts différents. Et c'est plus important aujourd'hui que ce ne l'était il y a 60 ans. Laissons-nous inspirer par toutes les situations difficiles qu'ont dû surmonter nos parents. Laissons-nous inspirer et disons à nos enfants que s'ils peuvent le faire, bon, ils pourraient certainement faire plus, nos enfants, mais n'oublions jamais
qu'une Europe qui ne serait qu'un marché commun ou une monnaie unique serait vouée à l'échec. Nous devons faire en sorte que l'Europe porte sur nos valeurs et les instruments sont interchangeables, alors que les valeurs, elles, sont éternelles. Merci. Merci. Je donne la parole au sénateur à vie Giorgio Napolitano, président émérite de la République. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos illustres invités, Mesdames, Messieurs, collègues sénateurs et vous, les jeunes qui nous écoutez, ce fut dans cet hémicycle, dans cette salle du Sénat italien qui avait tout juste regagné sa liberté, que Alcide De Gasperi prononça son appel passionné et combatif pour l'approbation d'une motion fédéraliste. Nous étions le 15 novembre 1950. En tant que président du Conseil des ministres italiens, De Gasperi avait, 6 mois auparavant, accepté l'adhésion de notre pays à la déclaration Schuman. Véritable moment du début du processus d'intégration de l'unité européenne. Il avait parlé ici même, en tant que dirigeant historique incontesté de la démocratie chrétienne et dirigeant du gouvernement depuis 1945 de façon ininterrompue. Il fut combatif et sévère face à l'hostilité de la gauche socialiste et communiste qui s'était déjà renfermée dans l'étau de la guerre froide et dans l'opposition frontale entre bloc occidental et bloc soviétique. De Gasperi défendit avec énergie le projet naissant de l'unité européenne face aux ironies et au scepticisme, en disant que ce projet était possible et qu'il permettrait de parvenir à un organisme politique, économique, unitaire, fédératif, fédérateur en Europe. Et à ceux qui lui disaient « mais tu poursuis un mythe », il disait ceci « mais enfin dites-moi, quel mythe voulez-vous donc proposer à nos jeunes en ce qui concerne les rapports entre les États, l'avenir de notre Europe, l'avenir de notre monde, la sécurité, la paix, sinon cet effort que nous vous demandons vers l'Union et à la première place figurait la paix. » Schuman et Monnet avaient déjà partagé avec les autres pays fondateurs la priorité de l'idéal de la paix en faisant un objectif concret. Parce que la force du projet européen, c'était de ne pas se limiter à exprimer des valeurs et des idéaux, mais de les traduire en objectifs ponctuels, concrets, et en confier la réalisation à des traités, à des institutions communes, à des bases juridiques européennes, à des ressources qui devaient être gérées ensemble, à des feuilles de route, à un programme partagé de progrès vers l'intégration. En 1950, l'objectif de la paix fut indissolublement ancré au dépassement du conflit franco-allemand. Il fallait en déraciner les bases et mettre en commun la production de charbon et d'acier en tant que ressource stratégique et en transférant à une autorité communautaire l'exercice de la souveraineté dans ce domaine précis. Il fallait donc contester le dogme de la souveraineté absolue des États-nations, car c'est de là qu'était partie, dans le cœur de l'Europe, la tragédie de 2 guerres successives et destructives au XXe siècle. J'ai parlé de la passion européiste et fédéraliste de De Gasperi, passion qu'il sut transmettre aux Italiens lorsque on ne craignait pas, comme aujourd'hui, de prononcer le mot « fédéral ». Et à une époque aussi où, dans un climat de participation politique extraordinaire après la libération de notre pays, il avait pu se servir des canaux des grands partis politiques, démocratiques et de masse. Le chemin parcouru par l'Europe depuis lors n'a été ni simple ni linéaire, surtout pas en Italie. Il est passé par la déconvenue
suscitée par l'échec du projet de Communauté européenne de la défense en 1954, projet qui n'avait pas seulement une valeur militaire, mais qui contenait en germe la proposition d'une communauté politique européenne, formulée conjointement par De Gasperi et par Spinelli. Et nous connaissons ensuite le chemin de notre intégration à partir de 1957 à travers l'effort et le succès de la convergence des 6 pays qui étaient déjà membres de la CECA, un choix qui était peut-être moins ambitieux mais qui certainement a donné lieu à des développements très constructifs. Et il s'agissait bien sûr de mettre en place un marché commun et une communauté économique européenne sur la base des traités de Rome. Nous avons ici des personnes qui ont contribué à la construction sans précédent de l'histoire de notre continent. Et pendant trop d'années, l'on n'a pas su valoriser ces succès extraordinaires. Et on a permis ainsi le développement de mystifications de toutes sortes, issues de courants pas seulement eurosceptiques, mais aussi eurodestructeurs. Donc il est temps maintenant de réagir et de raconter notre histoire aux jeunes depuis ses débuts. Et comme l'a dit M. Timmermans, les témoignages personnels sont aussi importants et le tien certainement. Donc, il faut changer pas mal de choses aujourd'hui dans l'Union, mais il faut savoir et se rappeler que c'est des changements progressifs que sont nés l'Europe. Il ne faut pas s'apesantir sur les déficits démocratiques de l'Europe unie en oubliant le rôle décisif, premièrement, de l'élection directe du Parlement européen et puis du renforcement essentiel de ses pouvoirs qui s'est produit en particulier tout récemment grâce au traité de Lisbonne, il y a 9 ans. Il faut maintenant reprendre les objectifs consistant à déployer pleinement toute la dimension parlementaire de l'Union dans un rapport organique entre Parlement européen et Parlements nationaux. Et grâce à cela et grâce à une participation politique, sociale et culturelle renouvelée, nous pourrons consolider et développer la nature démocratique du processus d'intégration et d'unité de l'Europe, surtout en ce qui concerne le fonctionnement global des institutions représentatives de l'Europe. Il faut modifier le rythme de décision de l'Europe et sa détermination dans l'ancrage définitif de l'intégration. Mais quelles sont les difficultés qui s'opposent à cela? Quelles sont les menaces? Eh bien, il ne faut pas se laisser leurrer par de faux problèmes. Les dangers, ce sont surtout la résurgence des nationalismes, pas seulement en Europe, mais surtout en Europe, je dirais. Au cours des années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, on a sous-estimé largement la possibilité d'une récupération de la force et du consensus de la part des États nationaux. Dans la prévision du manifeste de Winterthur, on pensait que ceux-ci seraient restés terrassés au sol sous le poids des aberrations et de la virulence destructrice du nazisme et du fascisme. Et cependant, il y eut une reprise. Cette reprise eut lieu plutôt rapidement même, et l'on en vit les conséquences pour ce qui concerne le cheminement de l'intégration qui se poursuivit. Maintenant, nous sommes confrontés à des crises de fond qui investissent l'Europe à partir de 2008 et plus récemment encore face à une régression dévastatrice dans les comportements de différents gouvernements et États membres de l'Union. Ce n'est même pas la peine de rentrer dans les détails. Donc, nous avons besoin de clarté, de courage sur les points essentiels. Premièrement, une intégration plus étroite et enfin de dimension politique contre le danger des nouveaux nationalismes qui ne font qu'un avec la démagogie trompeuse et nihiliste des mouvements et des partis populistes. Honneur au peuple des Pays-Bas, si je me permets de le dire. Sur la voie de l'intégration, nous ne pouvons pas nous laisser paralyser par les États membres de l'Union à 27 qui n'ont pas l'intention de faire des efforts pour aller de l'avant. Que l'on commence donc par les décisions qui se font encore attendre pour faire face à court et long terme au phénomène dramatique des migrations et que l'on fasse finalement partir des décisions qui puissent
répondre 2 ans après le rapport des 5 présidents pour compléter l'union économique et monétaire de l'Europe, y compris au sens politique, afin de renforcer la dynamique de croissance et la dimension sociale de l'Europe unie. En même temps, l'Europe est appelée à trouver de nouvelles modalités pour ne pas perdre son unité, pour ne pas la gaspiller sur des terrains et de le faire au moins là où il y a entente. Je me réfère à l'Europe des cultures, dont la diversité est si riche. Et comme nous l'a signalé Bronislav Geremek, ce grand Européen, n'oublions pas l'avertissement également donné par François Mitterrand au Parlement de Strasbourg en 1995. À la fin de son discours, il dit « l'Europe des cultures contre l'Europe des nationalismes, car les nationalismes représentent la guerre ». Donc, contre les nationalismes et les protectionnismes qui nous menacent, en regardant l'Europe et en élargissant le regard pour constater le désarroi sur la scène mondiale et le désordre, alors c'est la paix qui a la priorité, confiée à l'Europe unie que nous célébrons aujourd'hui par une étape historique qui allie le réalisme et le courage. Et je veux parler bien sûr du 60e anniversaire des traités de Rome. Merci. Grazie, alla parola. Merci, je donne la parole au sénateur à vie, ancien commissaire européen, ancien président du Conseil des ministres, Mario Monti. Signor Presidente. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Présidents, nous célébrons les 60 ans des traités de Rome le jour même, le 17 mars, où l'Italie fête l'unité nationale, la Constitution, son hymne et son drapeau. Il y a une cohérence entre ces deux événements, entre les valeurs qu'ils représentent. Et bien oui, il y a une cohérence totale. Mais c'est une cohérence exigeante qui engage l'Italie, comme tout autre État membre. J'ai mûri cette conviction car j'ai eu le double privilège de servir l'Europe comme membre italien de la Commission et ensuite, lorsque j'ai été désigné par le président Napolitano et j'ai reçu la confiance du Parlement italien pour guider le gouvernement de notre pays dans une période délicate pour notre pays et pour l'Europe. J'ai prêté serment d'être indépendant dans l'intérêt communautaire lorsque je suis devenu commissaire européen. Lorsque j'ai prêté serment comme commissaire européen, je n'ai jamais pensé que je ne faisais pas quelque chose également d'utile pour mon pays, l'Italie, car l'Italie a toujours été nourrie, notamment par ce qui s'est passé au niveau européen et a trouvé des sources d'inspiration et de modernisation. Comme chef du gouvernement italien, j'ai prêté serment dans l'intérêt de la République. Dans l'exercice de mes fonctions, dans l'intérêt de l'Italie, j'ai toujours pensé que nous aurions ainsi renforcé la solidité et le développement de l'Union européenne. En présentant justement dans cet hémicycle, le programme du gouvernement en 2011, j'ai déclaré ceci. Vous ne m'entendrez jamais demander un sacrifice parce que l'Europe le demande. Tout comme vous ne m'entendrez jamais accuser l'Europe de choses que nous devons faire et qui sont impopulaires. Si la demande de l'Europe n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre de l'organisation et des structures de l'Europe, je ne l'accepterai pas. Si, au contraire, c'est conforme à l'esprit de l'Europe, cela signifie que c'est une requête qui vient au nom d'une décision, d'un principe, d'un traité auquel nous avons contribué en tant qu'Italie. Bien sûr, l'Union européenne traverse une crise. Elle est en crise à cause de sa propre faiblesse, mais également à cause de son audace.
Elle est audacieuse et presque téméraire. Il est audacieux et presque téméraire aujourd'hui de se battre pour l'état de droit, pour des systèmes démocratiques fondés sur la séparation des pouvoirs, sur le respect des droits, sur le respect des générations futures. Par exemple, en termes de protection de l'environnement et du climat, ou en évitant que, dès la naissance, les générations futures ne voient peser sur elles d'énormes dettes publiques engendrées par leurs parents, grands-parents et gouvernements des gouvernements antérieurs à leur naissance. L'objectif de l'Europe est ambitieux. L'objectif d'une gouvernance multilatérale que l'Europe s'est pratiquée avec la méthode Monnet, avec une surdimension communautaire à côté de la gouvernance multilatérale. L'Europe fait cela depuis le début et elle voudrait que cela s'applique de plus en plus dans le monde. La gouvernance multilatérale et non pas la loi du plus fort. En portant le flambeau de ces valeurs, l'Europe va de plus en plus à contre-courant, nous devons nous en rendre compte. Et l'Europe devra s'unir plus, connaître une intégration plus profonde et remédier à ses propres faiblesses, non seulement pour se défendre, mais pour défendre et promouvoir efficacement ses propres valeurs dans le monde, ces valeurs auxquelles nous tenons toujours de plus en plus, alors qu'elles sont de plus en plus combattues par d'autres. Dans trois domaines, l'Union européenne et surtout la Commission européenne, qui est représentée ici par son premier vice-président Timmermans, il n'y a que trois domaines où l'Union européenne est respectée et crainte lorsque c'est nécessaire dans le monde. Ce sont les trois domaines dans lesquels les États membres, depuis longtemps, ont décidé de donner à l'Union européenne des pouvoirs fédéraux, dirait le président Napolitano. Il s'agit du domaine du commerce international, de la concurrence et de la monnaie. Mais pour que l'Europe surmonte sa propre faiblesse et devienne toujours plus forte pour se défendre et défendre ses propres valeurs, je pense qu'il faut revoir profondément l'attitude des États membres vis-à-vis de la construction européenne et des décisions européennes. Jusqu'il y a quelques années, les chefs d'État et de gouvernement allaient à Bruxelles pour participer au Conseil européen en apportant chaque fois une petite pierre pour édifier une maison commune dans la conviction que ce serait dans l'intérêt national de chaque pays national, que chacun voulait renforcer cette maison commune. Aujourd'hui, je pense que le président Tusk, qui préside avec grande dignité le Conseil européen, nous dira que au niveau des chefs d'État et au niveau des conseils des ministres, on se rend compte que les dirigeants ne vont pas en apportant leur propre pierre à l'édifice, mais qu'ils essaient plutôt chaque fois d'enlever des éléments à l'édifice incomplet de l'Europe, car c'est ainsi qu'on commence à exercer les politiques nationales. Et les États veulent absolument obtenir un consensus. Ils tentent désespérément d'obtenir un consensus. Maintenant, on cherche à obtenir le consensus pour les prochaines élections. Et lorsque les élections sont trop lointaines, on essaie d'obtenir un soutien pour être bien placé dans les prochains sondages. Parfois, on met trop en avant l'intérêt d'un parti, d'une coalition ou le fait qu'une personnalité puisse conserver le pouvoir. C'est pour ces raisons qu'un premier ministre britannique a décidé d'entrer dans l'histoire en désagrégeant l'Union européenne et peut-être son propre pays. Donc, je pense que l'Europe doit se
garder des protectionnismes et du nationalisme. Elle doit éviter aussi bien les populismes de la base que les populismes venant d'en haut. Et pour conclure, je voudrais dire que récemment, lorsque le président du Conseil italien Gentiloni est venu ici nous parler de son programme de gouvernement au Sénat, lorsqu'il nous a parlé de sa politique européenne, il me semble que nous avons tous beaucoup apprécié la volonté de contribuer à l'amélioration des structures de l'Europe, mais en évitant ces comportements peu sains qui sont le nouveau cancer de l'Europe. Alors, il a été dit qu'il y a 60 ans, ce n'est pas tellement les gouvernements, mais surtout les peuples qui voulaient l'Europe. Eh bien, aujourd'hui, le risque principal de guerre sur le continent européen est lié à l'attitude des nationalismes et des gouvernements nationaux. Or, le moment est peut-être arrivé pour les peuples de reconquérir l'Europe. C'est donc nous, les citoyens, qui devons reconquérir l'Europe. Et sur cette question, nous devrions devenir plus exigeants vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent et vis-à-vis des classes politiques des États membres. Merci. Merci. Ha la parola adesso la professoressa Sofia Corradi, ideatrice del programma Erasmus, una nota molto positiva per i nostri giovani cittadini europei. Prego, professoressa. Si vous le permettez, je resterai assise. Et en premier lieu, je souhaite vous remercier de cette invitation qui est pour moi un grand honneur. Comme on le sait, depuis 1987, avec le programme Erasmus, les étudiants universitaires des pays européens ont la possibilité de réaliser un ou deux semestres de vie et d'études dans l'université d'un pays qui est différent du leur. Avec pleine reconnaissance des crédits obtenus à l'étranger et donc sans prendre de retard pour ce qui est de l'obtention de la licence dans leur pays. Les diversités de méthodes et contenus sont acceptées avec souplesse sur la base du principe de l'estimation et de la confiance réciproque entre les deux universités et sont même considérées comme un enrichissement de l'expérience Erasmus. Aujourd'hui, cela peut vous sembler quelque chose de normal, mais songez qu'en 1969, ce qui était simple aujourd'hui était tout simplement rejeté et regardé avec énormément de suspicion. J'ai dû lutter pendant pratiquement 20 ans pour surmonter ces résistances et arriver en 1987 au lancement officiel du programme Erasmus de la part de l'Union européenne. Ceux qui le souhaitent pourront trouver le récit de cette aventure dans mon dernier livre intitulé « Erasmus et Erasmus Plus », un ouvrage de 2015 que vous pouvez télécharger gratuitement en version italienne ou anglaise sur le site www.sofiacorradi.eu. Le rodage initial du mécanisme Erasmus a été lent et laborieux et pour arriver au millionième étudiant, il a fallu 20 ans. Et puis tout est devenu plus facile. Jusqu'en 2016, près de 4 millions d'étudiants s'étaient échangés entre différentes universités européennes, 4 000 environ d'entre elles. Et aujourd'hui, le chiffre augmente de 1 million tous les 3 ans. On me demande souvent comment j'ai eu cette idée. Eh bien, en revenant d'une année d'études à la Columbia University de New York, où j'avais été titulaire d'une bourse Fulbright, on m'a jeté à la figure un refus arrogant on ne voulait pas reconnaître mes études. Bon, lorsqu'on est jeune, on veut changer le monde. Et comme je m'étais rendu compte qu'une année à l'étranger
m'avait apporté un grand bénéfice. Je voulais que d'autres jeunes, nombreux, puissent avoir la même possibilité. Je voulais qu'une expérience à l'étranger, qui avait toujours été dans l'histoire un privilège réservé à un petit nombre de familles, de jeunes, des familles de l'élite, puisse être une occasion offerte à tous ceux qui souhaitaient saisir cette occasion. Et je ne me suis pas laissée arrêter par les obstacles. C'était l'époque de la guerre froide entre les grandes puissances mondiales. Et moi, je vivais la promotion de la mobilité étudiantine internationale comme une mission de paix personnelle. Alors, je dirais, pour expliquer tout cela, ce que n'est pas l'Erasmus, pour nous permettre de comprendre ce qu'il est. L'Erasmus n'a pas pour objectif principal l'apprentissage des langues étrangères. Il n'est pas réservé aux étudiants de niveau excellent, mais également aux étudiants normaux. L'Erasmus n'a pas pour but d'offrir à l'étranger des enseignements meilleurs que ceux que l'étudiant trouverait dans sa propre université. L'étudiant en ingénierie qui bénéficie d'une bourse Erasmus ne va pas être un meilleur ingénieur, il sera une meilleure personne. Les statistiques nous disent qu'une fois les études universitaires achevées, l'étudiant qui a suivi l'expérience Erasmus trouve du travail deux fois plus vite qu'un non-Erasmus et qu'au bout de 10 années de travail, il atteint les niveaux de cadre au sein des entreprises. Alors, nous en sommes très heureux, mais cela ne nous dit pas tout ce qu'il faut dire sur le concept ou sur l'idée que le principal résultat et le plus précieux de l'expérience Erasmus, c'est que en passant un ou deux semestres de full immersion, d'immersion totale, donc dans une culture différente de sa propre culture, l'étudiant Erasmus acquiert toute une panoplie de qualités transversales. Et les étudiants le savent bien. On a interrogé les étudiants. Ils nous ont répondu ceci, une période de vie et d'études à l'extérieur développe la créativité, renforce le jeune dans la confiance en soi. On apprend à vivre en harmonie et sur la même longueur d'onde que les autres. Cela imprime dans l'âme des sentiments indélébiles de fraternité humaine. On devient citoyen européen et citoyen du monde. Et nombre de ces étudiants répondent, l'Erasmus a changé ma vie. Donc le point essentiel, c'est que l'Erasmus n'est pas destiné essentiellement ou prioritairement aux études. Non, c'est surtout une expérience. Et cette immersion totale dans une culture différente de sa propre culture donne lieu à une maturation de caractère général. Et cela est dû à différents éléments objectifs. L'interaction se fait entre pairs, entre personnes du même âge, entre personnes du même niveau culturel, entre personnes qui affrontent les mêmes problèmes concrets dans leur vie quotidienne universitaire. L'étudiant Erasmus ne suit pas un cours sur l'intégration européenne. Il vit l'expérience de cette intégration et il en tire un enseignement direct. Depuis 2014, l'Erasmus, qui a été renommé Erasmus+, a été renforcé. Et plusieurs de ses activités ont été étendues à tous les continents d'abord et également à d'autres activités humaines. Malgré la crise économique mondiale, la contribution financière de l'Union européenne a été augmentée de 45%, ce qui est énorme, et se monte aujourd'hui à près de 15 milliards d'euros
pour les 7 années comprises entre 2014 et 2020. En 2017, en même temps que les 60 ans de la signature des traités de Rome, nous célébrons les 30 ans du programme Erasmus. Et je conclus, dans l'espoir que, au cours des années futures, ces instruments puissent être encore développés, ces instruments qui servent à la promotion de la compréhension interculturelle. Et je parle donc ici d'interculturel, qui est un terme un peu général, mais je voulais donc terminer en vous remerciant de votre attention. Grazie. Prima di dare la parola al... Merci. Avant de donner la parole au président du Conseil italien, je voudrais saluer les représentants des religions qui participent à nos travaux, Giuseppe Bertolo, président du gouvernorat de l'État-Cité du Vatican, Nomi Disegni, président de la communauté des communautés hébraïques, le représentant du Centre islamique et culturel et Christian Sherwald, vice-président de la Fédération des églises protestantes en Italie. Je voudrais remercier tout particulièrement le Saint-Siège, représenté ici par le cardinal Bertello, qui a mis à la disposition de tous les participants l'œuvre exceptionnelle, une œuvre exceptionnelle présente dans les musées du Vatican. Merci. Merci, Président, Mesdames et Messieurs les Présidents, chers invités. Au cours des prochains jours, d'ici samedi prochain et au-delà, nous devrons vivre avec le paradoxe lié au fait qu'à un des moments les plus difficiles de l'existence de l'Union européenne, nous parlerons très souvent de ces conquêtes, de ces résultats, des cadeaux qu'elle a fait à notre génération et aux générations futures. Je pense que nous devons être conscients de cette difficulté et nous ne devons pas nous laisser intimider. Nous ne racontons pas des conquêtes ou des succès de l'Union européenne simplement pour nous donner du courage entre nous, l'élite politique du continent. Nous racontons ces réussites car elles sont l'histoire de ces 60 ans. Et parce que cette histoire, disons la vérité, est peu connue, n'a pas été assez valorisée. Et mal la connaître et mal la valoriser a été une de nos erreurs, l'une des causes de nos difficultés. Donc, nous ne devons pas être pris de crainte au cours des prochains jours, comme nous rappelons, comme cela a été fait cet après-midi, les conquêtes de l'Union européenne, les conquêtes en matière de paix, en matière sociale, la grande force économique, puisqu'on a défini l'Union européenne comme étant la superpuissance tranquille. Il faut également penser aux conquêtes de liberté. Un grand Européen, Václav Havel, parlait de la fin de la dictature dans son pays en disant « cela a été un retour à l'Europe ». L'idée fondamentalement est que l'Europe a été un aimant capable d'attirer d'abord les pays de la péninsule ibérique, ensuite la Grèce, ensuite des pays de l'Est de notre continent qui ont été attirés vers la démocratie et une société ouverte. Face à nous, au moment où, sans timidité, nous rappelons ce qu'a été l'Union européenne et ce que nous sommes, il y a devant nous une alternative qui concerne les prochaines années. Et le choix est le suivant, ces conquêtes, ces valeurs, il faut soit les regretter, soit les défendre. Si nous ne les défendons pas, nous les regretterons. Et dans cet hémicycle du Sénat, nous devons dire avec courage qu'il est vraiment temps de les défendre pour éviter de les regretter plus tard.
Et il y a une base populaire pour se livrer à cette opération. J'ai écouté la très belle intervention de Frans Timmermans. Et cette semaine, nous sommes sentis un peu tous néerlandais dans un certain sens. Bon, avec les Pays-Bas, de temps en temps, nous avons des discussions sur les politiques financières de l'Union européenne. Mais vraiment, le résultat des élections nous a fait nous sentir encore européens plus convaincus. Bien sûr, pour défendre nos valeurs, je pense que il faut bien comprendre la nature des difficultés qui se posent à nous. Ce ne sont pas nécessairement des difficultés transitoires, éphémères. Certainement, il y a eu des décisions politiques. Le sénateur Monti le rappelait. Il y a des décisions politiques qui, le 23 juin, ont amené le Royaume-Uni à voter en faveur du Brexit. Il y a des positions subjectives de certaines forces politiques, de certains partis qui poussent dans une direction anti-européenne. Alors, disons-le franchement, le défi que nous devons relever dépend de tendances beaucoup plus profondes qui vont en profondeur dans la réalité de l'Europe et de la construction européenne. Parce que, en premier lieu, nous sommes confrontés à des difficultés économiques, aux difficultés économiques de notre continent, plus particulièrement des classes moyennes et des classes les plus défavorisées de notre continent. Si nous regardons les perspectives pour les 10 à 20 prochaines années, nous nous rendons compte que, d'une part, des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté, surtout en Asie, mais cela a eu des conséquences en partie négatives pour notre continent. En 2007-2008, nous avons été frappés par la plus grave crise économique de l'après-guerre. Parfois, nous avons tendance à l'oublier. En même temps, vu que nous avons la Méditerranée en notre centre, nous avons eu des menaces posées à notre sécurité, des menaces asymétriques, comme on l'appelle en jargon. Mais c'était tout à fait différent de l'époque où l'Europe était divisée en deux blocs et très différent également de la période du terrorisme qu'ont connu certains pays dans les années 70. Nous avons une menace qui est née au cœur de la Méditerranée et qui a déstabilisé en profondeur nos pays et nos sociétés. Et puis, nous avons eu les importants flux migratoires qui ont joué un rôle. Donc, si nous voulons défendre nos conquêtes, nous devons regarder en face les problèmes qui minent l'Union européenne et qui lui créent des problèmes. Une partie de nos concitoyens, et c'est important, une partie de nos concitoyens se sentent aujourd'hui plus menacés, moins protégés. Ces citoyens cherchent des réponses à ce sentiment de protection moindre dans la redécouverte des propres racines et de la propre identité. Alors que, très souvent, ils redécouvrent des sentiments hyper-souverainistes, voire nationalistes. Je pense que c'est le point fondamental de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a une crise qui nous mine et la réponse à cette crise doit être trouvée dans des solutions. Et les solutions que nous entendons sont parfois compréhensibles. Il est clair que si on se sent menacé, on cherche des réponses dans ses propres racines, dans sa propre identité. Mais si ta propre identité signifie que tu te fermes, que tu deviens hostile aux différences, si ton identité devient une opposition par rapport à tes voisins, on a les prémices pour que se répètent des expériences terribles de l'histoire européenne, comme l'a rappelé le président Napolitano dans son intervention. Nous ne
devons pas être indulgents face à la tendance d'une redécouverte identitaire qui passe par le nationalisme et l'opposition entre les différents pays. Ce sont des processus dont nous voyons les prémices. Et si nous ne bloquons pas le processus à temps, nous aurons beaucoup de mal à l'arrêter lorsqu'il se sera encore développé. Et la réponse ne peut pas être celle d'une Europe qui s'arrête, qui choisit d'aborder les obstacles en faisant du surplace. Non, notre réponse doit absolument être celle d'une Europe qui va de l'avant. Et pour conclure, quels sont les objectifs que nous pouvons, de manière réaliste, nous fixer dans ce contexte? À l'occasion, samedi, de cette célébration des 60 ans des traités de Rome. Eh bien, je pense qu'il faut mentionner essentiellement deux éléments. Tout d'abord, le message que l'Europe ne peut pas s'arrêter, qu'elle doit aller de l'avant et qu'elle doit avancer. Et il est clair que cela nécessitera une certaine flexibilité. Vous savez qu'il y a un débat assez large à ce sujet. Et le livre blanc de la Commission a en quelque sorte mis ses réflexions sur les rails. Et les trois rapports du Parlement européen ont également apporté une contribution très importante. Et je pense qu'en fait, il y a un élément qui est simple. Aller de l'avant ne signifie pas choisir d'exclure qui que ce soit. Je l'ai dit à Strasbourg, je le répète ici. L'Italie n'acceptera jamais que l'on choisisse une division entre Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, une Europe de première division et une Europe de deuxième division. Nous, qui sommes l'un des pays fondateurs, nous voulons aller de l'avant ensemble, avec une Europe à 27. Mais nous ne voulons pas que la rapidité et le cap que choisit cette Europe soit choisi principalement par les pays les plus réticents à suivre ce parcours. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Ce sont les traités de Lisbonne qui prévoient la possibilité d'avoir des coopérations renforcées. C'est nous qui ne l'avons pas fait. Ce n'est pas quelqu'un qui propose quelque chose de révolutionnaire. C'est nous qui devons utiliser les instruments des traités pour ne pas donner l'impression aux citoyens préoccupés et qui se sentent peu protégés, pour ne pas leur donner l'impression que l'Europe est immobile, qu'elle est incapable d'apporter des réponses à leurs préoccupations. Et puis, autre chose sur l'Europe qui prend une initiative, il faut répondre aux trois ou quatre questions que plusieurs personnes ont abordées dans leurs interventions, notamment le président Tajani et Donald Tusk. Et nous savons de quoi il s'agit. Nous savons que l'on peut faire quelque chose de plus sur le domaine de la sécurité et de la défense. Et c'est exactement le domaine dans lequel il y a eu un faux départ il y a 65 ans. Et aujourd'hui, cela pourrait être un terrain nous permettant d'avancer, d'aller de l'avant. Cela signifie apporter des réponses au thème de l'immigration. Et nous savons très bien que l'idée d'une Europe qui laisse à quelques pays seulement choisis, non pas par Bruxelles, mais par les géographies, la responsabilité de porter tout le fardeau des politiques migratoires, eh bien ça, c'est une Europe qui ne répond pas aux exigences auxquelles elle devrait faire face. Et puis, finalement, le grand thème de la croissance des investissements de l'Europe, du développement. Oui. Ne nous laissons pas attirer par une idée sur laquelle certaines des données les plus encourageantes au plan macroéconomique qui existent, parce que le dernier Conseil européen a été l'occasion pour le président Draghi de nous les décrire dans son rapport d'information. Il y a donc des données macroéconomiques encourageantes, mais ne confondons pas ces données encourageantes avec l'illusion
que les difficultés sociales que nous rencontrons en Europe vont être bientôt surmontées, parce que ce n'est pas le cas. Tout le travail pour les investissements, l'emploi, la promotion de la croissance, tout ça doit se poursuivre. Ne nous arrêtons pas aujourd'hui, au moment où finalement l'Europe est en train, petit à petit, de se remettre sur la voie de la croissance. Donc, il y aura ces journées, et en particulier la journée de l'anniversaire de samedi. Et ce sera pour nous, j'espère, une occasion heureuse pour relancer ce parcours. Et j'espère pouvoir le faire avec l'élan. Et je ne parle pas simplement de l'aval ou de l'approbation nécessaire. Non, je parle d'un véritable élan, parce que il est évident que des décisions comme celle-là font l'objet de votes, qu'on les approuve au sein de nos parlements nationaux et que l'on donne mandat au gouvernement sur ce qui doit être traité ensuite au Conseil européen. D'ailleurs, ce vote n'est pas toujours l'objet d'un débat aussi riche qu'on le voudrait. Mais je vous demande à vous, membres du Parlement, un aval, certes, une approbation, mais ce que je vous demande surtout, c'est de vous en faire les artisans. Parce que sans une légitimation démocratique, un parcours de ce type qui est ancré dans les valeurs de la démocratie, de la liberté, eh bien, sans cela, on ne peut pas avancer. Donc, l'Europe peut être relancée, c'est certain, mais elle le pourra dans la mesure où le Parlement européen et les parlements nationaux donneront au gouvernement un élan dans la bonne direction. Et nous en avons véritablement besoin. Merci. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. J'invite les chefs de délégation à venir ici pour la photo officielle avant de m'accompagner pour la visite de l'exposition qui a été préparée pour illustrer la démocratie en Europe du 15e au 20e siècle.